Et bonjour à tous, c'est Mat29 et donc on se retrouve aujourd'hui sur Car Mécanique Simulator 2015 avec bien sûr les nouveaux. La dernière mise à jour qui a été faite ce week-end. Donc, du coup, deux places en plus sur le parking. Bon, on verra ça plus tard parce que plus ça va, les places. Donc là, on a déjà en tout le parking B et le parking A en plus. Donc, déjà, c'est déjà pas mal pour le début. Après, on pourra s'acheter le parking C, D, E et F pour avoir 6 places à chaque fois en plus. Donc du coup on va continuer sur cette voiture. Donc comme j'ai montré la dernière fois, dans le dernier patch, on pouvait avoir aussi la réparation du châssis si vraiment il rouillait, mais vu que ça là on a pris avant qu'on ait la nouvelle mise à jour et les nouveaux DLC bien évidemment, qui s'appelle Mercedes-Benz DLC. Donc ça sera plus tard, à mon avis ça sera le dynamo qu'on avait le dynamo qui permet en fait le ventilateur où on pouvait modifier la puissance du moteur, si vous vous souvenez, dans le 2014. Donc on a toujours ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors est-ce qu'on aura une Mercedes? Alors soit je prends, soit je décline tous les travaux et on a un nouveau travail. Normalement dans les boutiques de pièces ici, on peut mettre en fait, si vous voulez, les jantes de la Mercedes. Alors je sais pas s'il y a des trucs Mercedes dans celui-là, mais non. C'est laquelle? Je sais pas. Et celle peut-être? Non, il n'y a rien. Tenir, même si je fais comme ça, si je regarde ici. Il n'y a pas les deux dernières voitures, hein, qui sont pas intégrées tout simplement au kit de tuning. Oh putain, il commence à bailler, fait chier, tiens. non mais allez, c'est pas grave. Donc du coup on va démonter celle-ci entièrement, on va enlever toute la pièce de carrosserie. Qu'est-ce qui reste? Il reste sans doute la porte ici, le feu ici et les jantes. Hop là, allez, c'est parti, tac tac. Allez, les roues, toutes les jantes à enlever, et après donc on passe tout simplement à la réparation des pièces qu'on a besoin. Donc là, j'ai même pas besoin de regarder le pourcentage de réparation, parce que ça c'est une voiture qu'on a achetée la semaine dernière. Allez, donc du coup, vu que c'est des tambours à l'arrière, je vais mettre tout simplement les jantes comme ça. Donc 4 jantes, donc je vends les dernières et je mets ces par nom, ça sera plus simple. Alors après, du coup, on peut s'acheter ici la Reptilia, donc c'est REP. Donc il y a cela, celui-là, 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 ainsi que les feux avant B. Donc ensuite, ici, je vends ça, j'ai pas besoin, ça, j'ai pas besoin, ça non plus, ça non plus. C'est tout. Le reste, on peut réparer, on répare. Ce qu'on peut pas, on rachète. Donc il nous faut deux ailes, les deux ailes et la porte avant. Les deux ailes et la porte avant. Droite. Donc ici, il faut que j'aille dans boutique de carrosserie REP. Donc les deux ailes et la porte de droite et c'est tout. Donc ça c'est bon et ça c'est bon. Du coup, il n'y a plus qu'à tout simplement remettre les pièces sur la voiture. Hop, donc tout ce qui est pare-choc, les feux. Voilà. Donc la carrosserie c'est 100%. Ouais, si, il reste les jantes. Du coup je vais faire les jantes et puis on va aller sur l'autre voiture. Je fais en fait chaque partie de la voiture en carrosserie. Après c'est moteur avec échappement et mode de vitesse. Ensuite les trains de roue avant, train de roue arrière. Et puis voilà, et donc une fois que la voiture sera finie, bah on verra si on aura soit assez d'argent
pour aller acheter une autre voiture aux enchères, soit tout simplement on n'aura pas assez. Dans ce cas-là, je continuerai avec la voiture de client. Donc là, je monte toutes les roues de cette voiture et puis on va tout simplement. Non, c'est pas ça. On va maintenir la voiture. Je sais qu'elle est morte, mais on va refaire tout. Même si c'est pas à changer, je le changerai. Alors, du coup, celle-ci. Il y a la boîte de vitesse qui va pas. Alors, vu que c'est un R4 en 4x4, je vais déjà enlever le démarreur qui est dans le moteur, qui est en R4. On va enlever les roues de devant, donc les jambes de devant. Hop, ok, ça c'est fait, donc j'enlève les essuie-moteurs. L'arbre de transmission à l'arrière. Tac, ok, donc les 4 vis de devant, ça c'est fait. Les 4 vis de derrière, c'est fait. Et puis donc on prend du coup, ah ouais, mais avant d'enlever, il faut déjà enlever la deuxième jante. Non, ça marchera pas. Donc l'essieu moteur avancé de droite, l'arbre de transmission avant et la boîte de vitesse. Donc j'enlève tout ça. Ok, ok. Donc du coup, on enlève la butée, le plateau. Et bien sûr, le disque d'embrayage. Donc du coup ici, par contre, on est à 75, donc c'est 76 maximum en réparation. Donc tout ce qui est en dessous des 75, ou du moins en dessous des 76, je suis obligé de le réparer. Ça c'est bon. Ah non, bah bon, encore 68, ça passe pas. Donc là du coup, maintenant, ils sont à tous les deux à 100, donc c'est bon. Après, au niveau des autres pièces, on a la butée et le plateau à racheter. Donc on va dans, sur la tablette, en boutique de pièces, boîte de vitesse, butée, plateau. Plateau, c'est bon. Butée aussi. Après, on revient. Non, on se met en deux pour le remontage. On met le disque. Le plateau. Ok, la butée. Et la boîte de vitesse. Hop, paf, paf, paf. Ok, donc l'arbre de transmission avant, les deux essieux moteurs avant, c'est. Les jantes, on les remettra juste à la fin, une fois qu'on aura tout remis et qu'on aura mis la voiture, qu'on aura descendu le pont. Donc les 4 vis, ok, pour le devant, pareil, à l'arrière, voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, non, je ne vais pas me quitter. Je descends le pont et je remets les jantes de devant. Et le démarreur, bien évidemment, sans oublier le démarreur, parce que sinon, la voiture ne démarrera pas. Donc, la roue, ça c'est bon pour l'avant gauche. Donc, on se met dans le moteur. On remet le démarreur, parce que sinon la voiture ne démarrera pas tout simplement. Ici, on remet la jante de droite. Voilà. Et la voiture, on peut la rendre pour 2000 euros de frais dessus. Pour le bien sûr, pour le client, hein, parce que pour moi, ça me coûte rien, sauf les pièces. Donc, du coup, il y a direction mauvaise. Donc, ce que je vais faire, je vais la mettre sur le pont de gauche et on va se prendre. Mais non, pas de photo. Bon, on peut se prendre la maloche. On verra ce que c'est. Si c'est les filtres, je les change directement. Problème de frein, on est obligé de mettre sur le pont de toute manière. On verra après. Alors ici, le moteur. Alors là, par contre, ça va en faire des pièces. Donc du coup, on enlève toutes les pièces qui sont sur le moteur. Et puis, voilà. Moi je refais tout. Hein. J'aurais dû même faire l'huile avant. Comme ça on n'aurait pas eu d'emmerde. Ça aurait été plus facile.
Hop. Voilà pour ça. Celui-là, c'est bon. Ça. Ça. Donc, la chaîne de distri. Commande à cam. Le filtre, donc coûte le filtre à air. Filtre à air. Base de filtre à air. Carburateur 4 cylindres. Batterie, servo, frein. Je vais peut-être aller vers l'huile. Comme ça, au moins, ça sera fait. Donc, on va prendre le réservoir d'huile. Bah, le réservoir de vidange. On vient de se mettre en dessous du bûchon de vidange. Du bouchon, parce que le bûchon, ça n'existe pas. On vide. C'est bon. Voilà. Donc, on enlève tout ce qui est carter d'huile. Par contre, il est où? Filtre à huile V8 OHV. Donc, j'en mets celui-ci ailleurs parce qu'il va m'énerver. On peut pas encore faire de déjantage, tout ça. Ben, refaire les jantes, mais bon, tant pis, c'est pas grave, on verra ça. Normalement, ce sera le prochain DLC, je crois. Ben, le prochain DLC, non. Prochaine fois. Alors, du coup, celui-ci. On enlève le démarreur, ce sera avec la boîte de vitesse tout à l'heure. Donc on enlève les têtes de culasse, enfin les couvercles de culasse, les bougies. Merde. Après il y a tous les culbuteurs. De chaque côté avec les poussoirs aussi. Ça, c'est le vieux V8. Après, je vais pas non plus faire le tour du garage avec, ça sert à rien. Par contre, je vais refaire entièrement tout moi. Hop là, nickel, très bien. Celui-ci, sondeur, bien sûr. Hop, nickel. Donc on peut enlever celui-ci. Hop là, très bien. Donc les pistons. Je vais peut-être faire gaffe et aller réparer aussi les pièces que j'ai besoin de réparer. Parce que sinon après ça fera trop de choses à racheter. Malgré que de venir les pièces à racheter, franchement c'est. Tout est en aléatoire en fait. Donc du coup, ça change rien que j'enlève ou pas. Ou juste un petit peu et que je fasse après une deuxième vague. Ça sert à rien, c'est pareil. Ça change rien. Mais bon, après, voilà. C'est pour changer. Du coup, quand j'aurai l'argent. On s'achètera comme ça au moins notre parking sera rempli de toutes les voitures qu'il y a dans le jeu parce que là ils ont envie en fait de faire un autre truc avec des vieilles voitures encore plus vieilles que celles qu'on a là. J'enlève ça, j'enlève les pistons. Voilà, donc ça c'était au-dessus. Ah mais l'alternateur, il faut peut-être que j'enlève aussi celui-là. Il n'y a plus rien là. Hein. Dans le moteur, c'est bon. Ok, il y a juste que la boîte de vitesse, mais bon. Allez, on va réparer tout ça. Clac, 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 clac. Une pièce de cassé, deux pièces de cassé, trois pièces de cassé. Quatre pièces. Cinq pièces. Ouais, ça fait quand même... Oh, ça va, c'est... Par rapport à toutes les pièces que j'avais, franchement, ça va. À réparer. Alors du coup, je vais peut-être aller démonter tout ce qui est celui-là. Alors, tout ce qui est réservoir et pompe à carburant. Alors ici, l'arbre de transmission arrière, qui est forcément court parce que c'est une petite voiture, elle est assez petite, elle est un peu moins longue que certaines. Le pot d'échappement et la boîte de vitesse, bien sûr, en enlevant d'abord le démarreur.
Allez, c'est parti. Ok. Voilà, tranquillement, ça c'est fait. Donc la butée, le plateau. Voilà. Et le disque, le volant. Et après, on passe en dessous. Avec, du coup, les couvercles de palier de Villebrequin. Je vois rien. Il est là, le dernier, qui est rouge aussi, et le Villebrequin. D'abord, on baisse, et ensuite, on va réparer ce qu'on peut réparer en pièces. Mais il y a quand même 3 pièces de cassé, 3 ou 4 même. Le bloc moteur qu'on répare si possible. Non, il est cassé. Donc du coup, si je vais... Donc là, j'ai enlevé que le moteur, la boîte de vitesse et l'échappement. Alors il faut que je rachète au niveau moteur un arbre à cam V8 OHV, une batterie, un bloc moteur, 8 bougies, un câble d'allumage, un capuchon de distribution d'allumage et un carter d'huile. Déjà ça, c'est déjà pas mal à racheter. Moteur, donc on a dit l'arbre à cam V8 OHV, la batterie, le bloc moteur V8 OHV qui est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 comme ça. Le carter d'huile. La chaîne de distribution, c'est obligé. Alors du coup, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le câble d'allumage. Celui-là c'est bon, la chaîne de distribution. Alors du coup il y a capuchon, collecteur d'admission, commande à cam, les deux courants d'entraînement V8 OHV et un couvercle de palis Villebrequin. Ça fait quand même pas mal de choses. Alors du coup je remonte, il y a un carbu, un capuchon, non c'était le collecteur de cam. Après, il y a la commande à cam, c'est obligé. Hein. Après, il y a les deux courroies d'entraînement. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'était bon, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est bon. Après, donc, il y a couvercle de palier de Villebrequin et deux culasses du moteur. V8 OHV et les 16 culbuteurs que je connais par cœur parce qu'à chaque fois que je fais ces voitures là, je sais qu'il y a toujours ça. Donc on a dit un couvercle, deux comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Waouh, ça en fait. C'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas autre chose. Ça c'est bon. Ça, j'en ai pris deux. Ça, les 16. 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 5, 10. 11, 12, 13, 14, 15. What? Non. 5 et 5, 10. 11, 12. 13, 14, 15, 16. Donc c'est bon, ok. Alors, un démarreur, un filtre à air, filtre à carburant, filtre à huile et les 8 pistons. Déjà ça. Donc on a dit. Ça c'est bon. Démarreur V8. Filtre à air rond, filtre à carburant, filtre à huile V8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pompe à carburant. Après, je pense qu'il y aura besoin de la poulie de pompe à eau. Villebrequin, celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Logiquement, là, j'ai fait comme il fallait. Donc, démarreur, c'est bon. Ah, il y a la distribution. Ça, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça c'est bon, ok pour ça, ok pour ça, c'est bon, je les ai achetés.
Voilà, donc du coup, il reste alors. On va prendre ce qui reste. Il manque la distribution d'allumage, la pompe de direction. Déjà, ça, donc il y a distribution et pompe de direction V8. Distribution et pompe de direction. Distribution. Distribution d'allumage et pompe de direction V8. Alors après, donc ça c'est bon. Après on fera pour les autres pièces, hein, mais là pour l'instant je fais que le moteur. Après donc il y a radiateur, réservoir et un ventilateur. Radiateur, réservoir, ventilateur. Radiateur, ventilateur, réservoir, réservoir. Radiateur et ventilateur de radiateur. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Le reste c'est à racheter aussi. Donc du coup on va faire aussi l'échappement. Donc, pour l'échappement, malgré qu'il y a un peu moins que la boîte de vitesse peut-être, mais alors du coup il y a deux pots d'échappement arrière V8, un pot d'échappement, deux pots d'échappement milieu et un tuyau d'échappement avant V8 OHV. Et pour la boîte de vitesse, je sais pas quoi ce qu'il y aura. Donc du coup il y avait donc deux comme ça et le tuyau d'échappement deux aussi. Alors j'ai cru voir. De toute manière il y aura ça, ça et ça. Donc ça c'est bon. Volant d'inertie c'est bon. Après celui-là et celui-là c'est bon. Les deux points milieu c'est bon. Plateau c'est bon. Il y a le disque. La butée je crois que je l'ai acheté mais bon. Il y avait aussi. Alors du coup il y a la boîte. Boîte et disque. Ouais, pour la boîte, il y a quasiment toute la boîte. Le disque et boîte CV8 OHV, voilà, tranquille. Donc ici, je peux... Du coup, ça là, c'est bon. Et là, le disque d'embrayage qui est ici. Et là, du coup, on peut s'amuser à tout remonter. Allez, c'est parti. Donc je vais faire par étapes, ce sera plus simple. Ah, il est bon. Là j'ai eu peur. Mais j'aurais vu aussi de toute manière. Bon vu qu'il était tout seul de toute manière. Du coup, commande à cam, distribution, rotor de distribution, capuchon. Les deux fixations. La pompe de direction. Ok. Ok, du coup. Alors après. Donc on refait pareil. Donc on va en dessous. Donc on remet le vilebrequin avec ses couvercles de palier. Ensuite. Je vais mettre du coup la boîte de vitesse, hein, donc avec le volant, le disque d'embrayage, le plateau de pression. Hop là, la butée et la boîte de vitesse en elle-même. Suivi par aussi, tant qu'à y être, du démarreur pour pas l'oublier. Et après, donc on a bien sûr l'arbre de transmission, vu que c'est une traction arrière. Voilà. Donc après, on peut aller... Ou on verra ça plus... Ah non, il reste les 4 vis de derrière, je suis con. Voilà. Hop, le réservoir, pompe à carburant. Et ensuite, on passe... Alors, j'ai envie d'aller voir aussi au téléphone... Non, bien sûr, on n'a pas encore de Mercedes. On les aura prochainement, à mon avis, ça va arriver. Alors ici, qu'est-ce qui manque? Il manque du coup les pistons de paix. Avec bien sûr le maintien par la culasse. Hop.
Voilà, pour ce côté-ci, on remettra le reste après, mais pour l'instant, je m'occupe de ça. Parce qu'après, il y a tout le moteur à faire, donc je préfère quoi que on peut remettre tout le reste aussi, c'est bon. Hop, les vis ici. Voilà. Celui-ci. Voilà. Le carbu. La base du filtre à air, le filtre à air et le couvercle. Le collecteur d'échappement. Meilleur, alors on est là pour travailler. On n'est pas là pour se tourner les pouces, hein, comme on dit. Les bougies, je mets jusque celle-là. La tenir lui, je pourrais pas la remettre tout de suite parce que sinon il manquera juste un truc, c'est le filtre à huile et le carter aussi. C'est pour ça que voilà. Bon, je vais juste mettre ça. Il faudra juste que j'oublie pas de remettre de l'huile. Mais normalement j'y pense à ça. Hein. Quoique des fois j'oublie aussi. Mais j'oublie pas mal de choses en plus, c'est ça le pire. Et des fois j'oublie trop de choses à la fois. Mais faut que je réfléchisse un petit peu quand même des fois. Donc ça c'est bon. Et du coup on peut remettre le. Ici. Donc le couvercle de culasse. Hop là. Voilà. Bon, ici on va remettre du coup juste celui-là. Derrière, il reste encore le. Il reste aussi le radiateur et la distri. On verra ça plutôt après qu'on ait fini de mettre. Qu'on ait fini de mettre en dessous le carter, le filtre à huile et tous ces trucs-là aussi. Du coup, il manque aussi. Il manque aussi la. Comment ça s'appelle? Ah zut, l'échappement. Et je crois que j'ai pas mis le réservoir, il me semble, en plus. Si, je crois que je viens de le remettre, en plus. Bon, c'est pas grave. Je vais juste en remettre celui-ci. Hop. Voilà. Hop, on va remettre en croix. Ce sera plus facile pour aller remettre les vis. Alors, du coup. Les bougies que j'ai acheté neuf, donc du coup normalement le moteur est entièrement refait. Allez, on repasse en dessous. Et donc après, du coup la semaine prochaine on verra ce qu'on fera, mais à mon avis ce sera sur une autre voiture. Je remets le carter. Le filtre à huile et l'échappement qui va avec aussi d'ailleurs. Hop. Je sais pas si j'ai remis le. D'accord. Bon d'accord, c'est bien. Je viens de remettre le carter d'huile, hein, mais c'est bon. Allez hop, vas-y. On remonte les dernières pièces du moteur, c'est-à-dire la distri. Hop, les 4 vis de la du couvercle, la pompe à eau V8 OHV, poulie de vilebrequin, poulie de pompe à eau, les deux courants d'entraînement et le ventilateur. Et puis ça sera bon pour cette fois-ci. Bien sûr, ne pas oublier de remettre l'huile. Et puis pour cette fois-ci, ça sera bon. La prochaine fois, on sera sur la voiture. Oh, tu peux remettre un petit peu encore. Voilà. Donc la prochaine fois, qu'on n'oublie pas, c'est celle-là qu'on fait. Et puis on verra la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fera de plus? Qu'est-ce qu'il y aura de plus? S'il y aura une nouvelle DLC ou pas la semaine d'après. Donc du coup, n'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus et de vous abonner. Et donc cette semaine, il y a forcément le nouveau jeu de bus qui va sortir. Alors je sais pas. Je ferai
l'épisode sur. Normalement, c'est demain. Je le reçois ce soir. Donc, pour demain, il y aura sans doute un épisode. Soit demain, soit après-demain. Sûrement dans la semaine. Voilà. Donc, n'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus et de vous abonner. Et allez, ciao et à la prochaine!